mais allez, Roy versus Captain Falcon, ça va être explosif. Ça va être explosif comme match. Surtout qu'on verse ces deux joueurs. Oh là, direct hein, il a pas le temps. Il a pas le temps, direct, il a mis sa petite phase à base de upper et après. Qu'est-ce que. Ah, le smash dans le trait, il est même pas puni. Et tout se tombe, la plateforme, deuxième la plateforme qui sauve le la plateforme qui va niquer. Oh là là, derrière, il nous en fout. Down throw, il a pas d'IA. OG qui l'a vu tout de suite, il a fait non. Ah, et 30 secondes, déjà une stock de perdu. On est dans le top 8 de la Lantarena. De la Gamers Assembly. Peut-être Lantarena, on sait pas. Mais oui, Gamers Assembly. D'accord. J'aurais pensé à un F-Smash carrément, mais. Ah oui, non, mais c'était pas un perfect shield, donc je pouvais pas. Bien pensé, du coup. On a vu le smash de la part de. Encore une fois, le perbacker, mais du coup, c'est 7, ça ne tuera pas. Voilà, par contre, c'est dangereux. Troisième backer, du coup, elle est plus fraîche. Et non, il a pas réussi à capitaliser jusqu'au bout, malheureusement. Il a gagné beaucoup de constant, mais vu qu'il a essayé trois fois sa backer, elle a clairement pas pu tuer. Encore un lock. Oh le titre. Oh la claque. Attends, prends ça. Et va-t'en. Et va-t'en, surtout. Je sais ça. Je ne veux plus te voir. Retrouve-toi. Je ne crois pas en notre Seigneur Jésus-Christ. Désolé. Bonne soirée. Quelques minutes accordées à notre sauveur. Oh, joli forwarder, il tout upper. Oh, je te regarde pas cette pression. Et en plus, c'était tellement risqué parce qu'il avait craqué son deuxième saut au-dessus du vide. Et le respect de OG. Ah, OG, que ouais, il voulait pas se prendre de lui. Oh. Hein. Oh, le. Très bien. On appelle ça le stock cancel into next match. Je ne sais pas, je pense. Il a fait une TPK un peu dans l'histoire. Parce que. Il pensait qu'il avait. Il a fait un Nazamat jump. Il a fait oh là là. Oups, j'ai plus mon saut. J'ai plus mon saut. Comment je fais? Bon bah, un 0 OG. C'est. C'est genre le. Puis même lui, je pense qu'il était sur le pétard mouillé, tu vois. Genre. Bah, la game, c'était tout feu tout flamme, et d'un seul coup. Hein? Quoi? Ça, c'est. TF. TF. Et on a vu Zofo qui a foncé sur OG, mais il s'est fait complètement arrêter tout de suite. En gros, il s'est pris un mur qui s'appelle le jab de Falcon. Oh, la surdance, magnifique. Il va le chercher en tentative de garde. Et là, il a failli se faire punir bien plus de ouais, ça. Ça aurait pu être très accro, la dash attack sur le rollback. Oh là, OG qui est parti tellement tôt avec son OG. Ouais. Oh la upper qui est encore une fois upper backer, très jolie face de The Flow. La backer qui passe par rien. Le drag it up qui est caché. Oh, il avait lu l'air dodge, mais un petit peu trop tôt. Oh c'est quoi ça? J'avais tout prévu. Oh le dunk. J'ai fait semblant de dire que j'allais mourir. Non, oh, c'était magnifique. Oh le dunk. Le mix-up de la recovery. Ah bah là pour le coup, il a surpris tout le monde, même The Flow. Même lui-même. Ah non, pas lui, non, je pense qu'il s'est dit tiens, allez, c'est le moment. C'est le moment. Foutu pour foutu, je la mets. Vraiment bien joué en plus. Et derrière, oh le neutral là qui vient casser un peu la tentative d'Edgeguard. Encore une fois, il rate son. Le P derrière, mais ça ne fait pas, ça ne stage spike pas. Là par contre, cette fois-ci, là c'était juste pour s'en sortir. Hein. C'est dommage. Pas deux fois. Oh, tu l'as vu. Il a fait upper, il a fait resider. Il respecte plein, il a vu maintenant. Il a dit, bah ça va. Oh non, ça peut pas. Je vais la mettre tout le temps, mon gars. C'est bon. Là, ça c'est. Il veut jouer sur le tilt de The Flow. C'est complètement cramé. Oh là là là, upper. Et là, terminé. Il a plus le saut. Le time tilt. Oh. OG qui a absolument rien respecté. On a vu The Flow qui se frappe le crâne. Attends, je vais pas me faire avoir pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette deuxième game? Ah là 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 là. Ah, The Flow, ah, c'est terrible aussi. Non, The Flow pas comme ça. Voilà, voilà. Il y a 2-0 pour OG. Oui. Aïe 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 aïe. Ah, ce serait terrible que The Flow termine son tournoi 2 fois 3-0. Ce serait. Alors qu'il a montré de tellement de bonnes choses durant tout ce tournoi et même tout à l'heure contre. Oh, c'est joli. Le Raptor boost encore. Mais c'est possible, voilà, c'était pas la. Arrêtez-le. De toute façon, même s'il avait été à 0, enfin, même s'ils avaient spiké, je pense qu'à 0, oh, il aurait battu. Non, ah, le B qui tombe. Il a plus le saut. Il a pas le choix. Oh, la plateforme. Oh, tu sais que ce down smash, là c'était un drop down air, tu le sais. Totalement. La drague qui envoie un river, ce match là qui part dans tous les sens. Oh non, le mauvais spacing de notre l'air. Oh, très allez, joli. Flo, encore une fois. Sub, tu fais des forwards d'air. Perd tout forward d'air. Allez, le neutral, encore une fois pour éjecter. Il va tenter le. Non, tente pas le 2 frame. Il a tenté la roll, par contre. La roll. Oh, premier perm qui éjecte un peu trop loin. Par contre, le backer totalement garanti.
Il savait qu'il pouvait pas aller plus loin avec ce premier upper, du coup il s'est repositionné et il a mis le backer. Le smash sur le, la dégradée de The Snow G. J'ai pas vu si c'était une spinning, mais my bad. En tout cas, le smash légèrement chargé et qui va tuer derrière parce que Turn City, parce que la puissance dévastatrice de ce smash aussi. Qui fait plus mal depuis le sol, je crois, non, que quand tu prends pas la base d'ailleurs. Bon, bref. Allez, allez, y a une le backer. Oh, tu sentais qu'il voulait drop en warder là. Allez, dump tilt. Encore une fois, il tente pas de frame, il ne faut pas tenter de diable. Le stomp, la shot derrière, le père, Tooney. Ça tuera pas, il était trop loin malheureusement. Attention quand même à la. Let's garde G. Attention à Pabi. Oh, le up B. Up B, d'accord. Oh, joli, c'est même pas si bon. Il l'avait lu, il l'avait lu. Il aurait cherché un tout petit peu plus, c'était bon. Ouais. Il a mis clairement les indications en disant je ne suis pas là pour rigoler, je veux te sortir maintenant. Si je peux me mettre un 3-0 et montrer que je suis pas là pour rigoler. La tech qui vient trouver. Oh, il a pas attaqué. Ça a enfin envoyé. Il a pas attaqué, il a attaqué très peu depuis tout à l'heure, Roger. Mais ça a enfin envoyé vers le bas et pas sur le côté. Alors que sur tout leur set précédent, tu voyais jouer qui envoyait complètement comme ça à chaque fois qu'il y avait totalement la bonne trajectoire. Mais là, terminé. Et du coup, en plus, il a air dodge derrière Roger. Oh, c'est parti n'importe comment ce match. Elle voulait rien dire. Ça part un coup à toi, un coup à moi. Et 2-1 du coup pour toujours pour Roger. C'est un Chanel. C'est un Chanel. Est-ce qu'il va nous faire un reverse 3-0? Ce serait terrible pour Roger, mais tellement beau pour The Flow. On verra sur destination finale en tout cas. À la fin, c'est quand même la team Illusia qui gagne. Oh le read. Oh, magnifique read de l'air de jouer. Oui, encore. Il avait cramé son saut là. Qu'il utilise son B aussi rapidement. Seulement 28% malheureusement. C'est pas grand chose pour un magnifique. Oulala, là il a attaqué OG. Stomp, le raptor boost encore. Début de down air de OG, de Roteflow aussi par contre. Upper to back air. Et pourcent qui monte très vite pour Roteflow. Roteflow qui était lu par OG. Notre alerte. Tout à forward air, pas mal. Il attend de voir ce qu'il va faire son adversaire en descendant. OG qui a beaucoup air dodge tout à l'heure là, c'est un peu. Ah là oui, le trap qui est complètement dans la garde. Le deuxième upper qui n'est pas passé, qui a été instantanément récupéré. La blade dance. La petite sword dance. Le tech. C'est dommage que Roy n'est pas la bonne. Il y a beaucoup de persos quand ils tech le B, derrière ils peuvent mettre une dernière gratuite, tu vois, mais pas Roy. Oh, la back throw qui tue, hein. La back throw qui tue. C'était une dash attack en shield, c'était complètement prévisible. Enfin, punissable, pardon, pas prévisible. Et là, du coup, c'est The Flow en grande difficulté, mais il nous a montré qu'il pouvait le faire. Ouais, et là maintenant, ça va être à The Flow d'aller chercher cette place dans le top 4. Malheureusement, il touche avec les sour spots, les petits bruitages du stream. Faut regarder ça hors spot encore. Oh, les smash mal spacés. Là, il faut absolument qu'il prenne la stock tout de suite. Hein, s'il veut éviter de se faire capitaliser la stock par OG. La sword dance, il va pas tuer. Malheureusement, c'était le spot. Mais on est dans une bonne situation. Le garde, et oui. Le B1. OG qui a voulu mix-up. Un petit peu trop tôt, qui voulait mix-up. Il voulait mix-up pour pas se faire un catch low, mais. Oh là là, les gros. Oh et regarde, c'est quasiment even. Ça fait 5 secondes. 5 secondes. Ah mais Roy, on connaît maintenant ces espèces de phases où il te met 30, 40, 50% à base de neutral de forward. J'attends le 2 trade. Avec la sword dance en plus. Et là, attention. Toujours pas. Back air. La back air. Il a cramé son saut. Ouais, oh, puis derrière, il en fout. Pas d'espoir aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Pas de rêve dans ce pays. Et le 3. Très bien joué. Très bien joué de la part de OG en tout cas qui continue. Ouais. Sa route et The Flow qui malheureusement non, ça terminera là-dessus. Dommage, The Flow qui aura fait une chute terrible. Mais OG qui continue après son set tendu contre. Non, pas du tout. Mais qui aura fait quand même deux très beaux matchs aujourd'hui. Et puis derrière, hier, il en a fait encore des meilleurs. On a vu des magnifiques matchs, hein, Docteur.